Hey, salut tout le monde, c'est AtriCraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, donc c'est notre première vidéo sur Rainbow Six Siege. Donc pour ceux qui ne savent pas, Rainbow Six Siege c'est un jeu de jeu de tir, 5 contre 5, une équipe en défense et une équipe en attaque. Donc là on se retrouve juste après la nouvelle mise à jour, donc qui a inclus deux nouveaux agents. Il y en a un, il s'appelle Ace. Donc son pouvoir c'est un peu comme Termite pour ceux qui connaissent le jeu, sauf que c'est ça commence vers le haut et ça descend jusqu'en bas du mur. Donc comme équipement il a une AK comme fuse et le pompe il pompe comme Termite je crois. Ensuite l'arme c'est l'arme pète naze je crois. C'est exclusif du point de vue. Ce qu'il faut dire c'est qu'il pète les murs indestructibles normalement. Ouais voilà. Voilà les murs renforcés. Et même les murs électrifiés ils peuvent péter mais juste le haut. Après on vous montrera du gameplay comment il marche. Ouais, voilà. Voilà lui c'est Night Haven comme comment s'appelle l'autre. Comme. Comme Kali, voilà. Avec la sniper. Ensuite, en défenseur, nous avons Mélusie, le nouvel agent. Donc, elle, c'est une défenseuse. Son gadget, c'est quelque chose que tu poses sur les murs ou par terre et ça émet une sorte de son ou de vibration et ça te désoriente. Je pense que ça ressemble un peu à la quête CD là. Mais voilà. C'était. Ouais. Bah je sais pas, après j'ai pas trop vu mais ça ressemble quand même. Ah, ouais. Donc comme arme il a une arme, le T5 SMG, je crois que c'est la même arme que comment s'appelle que Lésion. Et le Super 90 je sais plus qui là. Ouais enfin en deuxième arme quoi un pompe. Et ensuite un RG15. Un pistolet. Ouais. Je crois que c'est le pistolet un peu de Ella, Zofia et de Warbet ouais. Je crois. En tout cas, c'est et ensuite en gadget, Nitro. Voilà, donc voilà. On a aussi un nouvel gadget qui remplace, enfin qui peut se mettre à la place de Nitro et Barbel, etc. Ça s'appelle l'alarme de proximité. Donc en fait, c'est quelque chose que tu poses par terre ou sur les murs. Et dans un périmètre, si un ennemi passe, ça émet un son qui prévient l'ennemi. Enfin, qui prévient. C'est comme une capcan ou c'est juste. Non, ça fait pas de dégâts, c'est juste que vraiment ça repère. D'accord. Mais c'est dans une zone, il y a pas par exemple un laser ou si tu traverses. Non, c'est dans une zone. Et t'en as deux. Si on poussait deux par. Donc là, on va faire. Une partie rapide pour découvrir la nouvelle map, enfin la refonte de la map maison. Donc on aimait très bien la map maison avec Mel, mais là elle a l'air d'être agrandie, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, faut dire aussi que c'était une de mes maps préférées, parce que bah, elle est sympa pour suite. Donc ouais. On va voir ce que ça va donner maintenant. Alors ouais. Moi je suis défenseur, je peux aller à première chambre principale, première chambre rose, rez-de-chaussée, salle à manger et sous-sol blindé. Moi je vais commencer par le sous-sol parce que. Eh bien moi c'est. Moi les sponsors ils ont un peu changé donc il y a un de moins. Eh bien ça s'appelle rue de la maison, c'est un peu comme le chantier mais rapproché. Hein, c'est rue latérale, c'est un peu comme le quai mais rapproché, zone du VTT. Donc pour le nouveau gadget alarm aussi, c'est que les défenseurs qui l'ont bien sûr. Et je sais déjà qu'il y a Roux qui l'a. Après je sais pas les autres agents. On découvrira ça après. Ok. Et, ah oui, le garage il a changé.
Mais là où il y a l'otage, c'est à côté du garage, ça a pas changé. Bah, je vais le voir. Ah ouais. Ah oui, il y a toujours quand même les deux garages. Ouais, le garage, okay. Ouais, ça a bien changé. Alors on voit tout ça pour genre la suite. Alors. Donc si on se voit, on se couche ou pas? Non, pour l'instant, je vais essayer de voir la map un peu. Bah, moi aussi, là, du coup, je suis en haut, ça va là-bas. Alors, oula, je connais plus. Ouais, c'est. Bah, en fait, ça a beaucoup changé. Ça reste un peu les mêmes pièces, mais ça a changé. Alors. Ah, et là, normalement, là, c'était censé être en travaux. Ah, et la porte principale, c'est à l'entrée à côté du billard, elle est fermée. Ah oui. Oui. Là, donc là, ça n'a pas trop changé. Enfin, si, ils ont rajouté une pièce derrière. Une nouvelle pièce. Là, ils ont rajouté un escalier. Oui, là, ils ont rajouté. Mais là, ils ont rajouté une pièce là. Et l'escalier descend où? Quoi, cette pièce? Oui, ça a changé, ça aussi, ça n'existe pas. Ici aussi, c'est quoi? C'est une petite entrée, encore. Ah oui, ça a bien changé quand même. Ouais. Bah ouais. Bon. Les caméras, je crois, elles ont aussi bougé. Hein. Je sais pas si tu peux voir. Là, j'en ai une bah là. Attends, bah après, les maps, les caméras, je connais plus leur emplacement. Mais... Il y a une là. Bah, je vais essayer de trouver les caméras. Pas les tiennes, mais d'autres. À part celle dehors. Ouais, il en reste deux. Il reste 15 secondes. Attends, il reste 15 secondes. D'accord. bah, on va aller voir après là. Donc là, t'es en défense, donc mets-toi pas en bas parce que bah, vu qu'on a déjà vu en bas. Ouais. Non ouais, la map a... Ils ont gardé en fait un peu la structure, mais ils ont bien amélioré quand même. Alors je sais qu'il y a Rook. Je sais pas qui doit attendre. Est-ce que Pulse? Non. Ah, il y a aussi Castle qui a l'alarme de proximité. Ah ouais, tiens, on pourrait la tester. Ouais, bah je vais prendre. Donc Rook et Castle qui l'ont, après je sais pas s'il y en a d'autres. On va voir. Donc, caméra, celle-là j'avais pété, celle-là aussi. Celle-là oui. Ah, celle-là non. Ok. Ok, c'est bon? Ouais. Mais du coup, ça déploie pas si c'est un allié qui passe quand même. Non, je vois pas. Ouais, c'est pareil que quelqu'un, quoi. Oui voilà, enfin, si on est tout cadé, ça va pas... Donc moi je vais aller rétrécir hein, si tu veux savoir. Du coup il y a un seul sous-sol, un seul rez-de-chaussée et tout le reste c'est le premier étage. Comme dans le premier étage il est assez grand. Ouais. Du coup on ne suit pas, viens voir une serre de proximité. Ah, donc j'en ai mis une, là, hein. J'en ai mis une là. Ah, vas-y avance. Pas, hein. Ah. Ah ça me fait des points quand même. Hein, si tu passes devant. Bon, est-ce que si... Est-ce que ça se fait?
Ouais, ça se fait très souvent. Mais ça fait pas non plus beaucoup de bruit, hein. Je pensais que ça allait plus que ça, quand même. Attends, je vais voir si je suis loin. Ah, ouais. Ah, ouais, ça va. Ok. En vrai, ça va, la distance est raisonnable, quoi. Enfin, c'est pas quelqu'un qui l'appréciera. Voilà. Et t'en as combien par personnage? Deux. Bon bah franchement c'est fake là. Ouais vas-y allez. Oui, du coup aussi, si vous en voulez plus, je pense qu'on va mettre le lien du patch note dans la description. Alors, du coup, il y a Castle, on résume, Castle Rook. Castle Rook, Tachanka. Castle Rook, Tachanka, Kavera. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo découverte de la nouvelle saison Rainbow. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez plus de gameplay avec nous sur Rainbow Six Siege. Puis voilà. Salut. À plus.